la RATP, c'est un partenaire historique de Vivatech. Et donc cette année, on est de nouveau présent et on est très content d'être présent physiquement et aussi en numérique. Et on présente quatre grands thèmes, des innovations autour de quatre grands thèmes. Le premier, c'est la ville durable et inclusive. Le deuxième, c'est la mobilité autonome et partagée. Le troisième, c'est l'industrie 4.0. Et le dernier, c'est le voyage augmenté. La RATP, c'est la présence dans 13 pays, sur 4 continents. C'est bien sûr Paris et l'Île-de-France, mais c'est aussi Brest en France, c'est aussi au Maroc, c'est aussi présent en Afrique du Sud, c'est présent à Hong Kong, c'est présent au Moyen-Orient ou en Italie. Donc on a vraiment une présence internationale. Et donc le premier de nos sujets, c'est de donner satisfaction à nos clients et de les aider à mieux voyager et notamment avoir, par exemple, une information voyageur de bonne qualité. Où pendant la crise Covid, on a développé des systèmes qui permettent d'éliminer les contacts. Donc on a déployé du paiement par SMS et on a aussi inventé des systèmes pour des boutons sans contact dans les bus pour demander l'arrêt. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur un bouton, juste vous passez la main ou vous mettez le doigt dans un dispositif holographique. Mais on est aussi capable de venir accompagner des entités, des collectivités, des villes pour aussi définir leur plan de transport ou construire des métros par exemple, construire des trains. Donc là, récemment, on a remporté un contrat pour aller construire un train à côté du Caire, donc en Égypte.